Ainsi commence la 13e édition du Festival international de théâtre du Bénin, le FITEB 2016. Créé en 1990 par le trio Antoine Dadelé, ancien directeur de la promotion de l'action culturelle au Bénin, Tola Koukoui, metteur en scène et entrepreneur culturel béninois, et Yves Bourguillon, alors directeur du Centre culturel français de Cotonou, le FITEB est une biennale dont l'objectif fondamental est de promouvoir et de célébrer le théâtre béninois et africain sous toutes ses formes. Il est pensé pour fédérer les peuples et les cultures d'Afrique et du monde en faisant du Bénin un centre d'intérêt mondial du théâtre. Après sa première édition en 1991, le FITEB tient le pari de son organisation et en est à son 13e rendez-vous, cette fois-ci sous la direction d'Éric Hector Rumpwe. Bienvenue sur cette terre petite en dimension physique, je crois immense en dimension spirituelle. Et il me plaît tout simplement, en ces moments solennels, d'abord de rendre hommage aux géniteurs Tola Koukoui, Yves Bourguillon, Antoine Dadelé, alias Darastone. C'est ce trio qui a estimé que pour promouvoir la culture, il fallait ouvrir un marché, un creuset. Et ils l'ont appelé Festival international du théâtre du Bénin, avec comme ambition, évidemment, que cela ne reçoive pas uniquement des pièces, des créations locales, mais des créations et d'Afrique et du monde, et d'un niveau d'exception pour installer plus qu'un marché, mais une épiphanie du théâtre. Ils ont rêvé qu'avec le FITEB, nous pouvons célébrer chaque 27 mars la journée mondiale du théâtre, décrétée depuis 1961 par l'UNESCO et fêtée via l'Institut international du théâtre dans le monde. Démarré effectivement le mercredi 23 mars 2016, le FITEB Djonokhi a connu sa cérémonie officielle d'ouverture dans la soirée du jeudi 24 mars dans le village du festival installé sur l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié, général Mathieu Kérékou. Je me sens tout minuscule d'être aujourd'hui celui par qui le Bénin ouvre au monde entier la 13e édition du Festival international de théâtre du Bénin. Mesdames et messieurs, bienvenue au FITEB. Bienvenue dans ce marché. Vous qui venez, bien évidemment, du Bénin, mais de la Belgique, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Togo et de la Tunisie. Je vous dis bienvenue à nouveau sur cette terre d'exception. Cette terre de théâtre où le théâtre et la politique ont une relation amoureusement incestueuse. Mesdames et messieurs, pour l'édition 2016, l'ours de Tchekhov, trop friand des querelles de quartier, va dans des chants de sang proférés à travers la conférence du rire des paroles sublimes. Et Nyangan, et ça sera à l'ouverture officielle du bal des loups cannibales, où Monsieur Blanchette et le loup, les amis de José Plia, vont accueillir Adama Daïko de la Côte d'Ivoire pour son humour BMW. Roméo et Juliette, en couple, alors célébreront la bravoure de la femme Kuburu devant le spectacle Baie Tactique dans la rue des Pingouins. Et tout cela installé dans les entrailles de l'identité, bien évidemment, pendant la nuit du songe. Ah oui, ce sont là les titres des créations qui vont circuler dans nos villes, ces temps-ci, du 23 mars au 31
mars pour porter la caravane de l'épiphanie théâtrale en relation avec l'épiphanie démocratique dont nous avons la vocation. Par ailleurs, je dois affirmer quel est mon désir. C'est de faire franchir au Festival international du Bénin FITEB ses avatars d'il y a 25 ans, de lui faire entrer dans un nouveau quart de siècle avec le désir, la force d'être vraiment un espace d'exception. Et ainsi, et par là, j'invite les créateurs de ce pays, les artistes, les hommes de théâtre, à comprendre que parce qu'on est unis, on est plus fort, que parce qu'on est tourné vers son ennemi, on est le meilleur, que parce qu'on lui pardonne et qu'on chante pour sa gloire, on est unique. Je veux dire que mon ambition à travers le Festival international du théâtre du Bénin est que demain, nous soyons plus grands que tout moment. Et comme le dit souvent un ami, que la fête commence, bon appétit. Honorables invités, par la culture, nous pouvons créer la richesse. Nous pouvons offrir de l'emploi à nos compatriotes. C'est pourquoi, durant ces 10 ans, on a énormément investi dans la culture. C'est depuis 1980 que l'on assiste à ce Festival international de théâtre du Bénin, et depuis, le plus grand théâtre des théâtres d'Afrique ne cesse de s'animer. À cet effet, mes félicitations au directeur et à son équipe pour avoir tenu le pari et l'équipe d'organisation dont les capacités managériales et l'investissement personnel ont été déterminantes dans la bonne organisation des présentes manifestations. Je voudrais dire enfin ma reconnaissance à tous les partenaires financiers pour leur contribution à la promotion et à la valorisation du riche patrimoine culturel béninois. Je voudrais, pour terminer, exhorter le public à se rendre vers les lieux d'animation pour vivre la fête et l'excellence du théâtre avec des artistes pendant ces 9 jours que va durer l'édition 2016. C'est sur ces mots que je déclare ouverte officiellement la 13e édition du Festival international du théâtre du Bénin. Vive le FITEB, vive le théâtre, bonne fête à tous, je vous remercie. Voilà. Le top ainsi donné, place a été laissée au spectacle d'ouverture, la nuit du songe. Un condensé de l'histoire politique du Bénin, une fresque vivante de la période précoloniale à nos jours, en passant par les indépendances. Aujourd'hui, 1er août 1960, je déclare les dames indépendantes. Indépendance, tcha-tcha, aux oubliés, au Kinshasa. La période révolutionnaire et l'avènement de la démocratie. Citoyens, citoyennes, désormais, le Dahomey sera commandé et dirigé par un gouvernement militaire révolutionnaire dans la sagesse et la dignité. Prêt pour la révolution.
Avec 364 artistes professionnels et amateurs sur scène, ce spectacle retransmis en direct sur l'ORTB est une orchestration inédite d'Alwin Dean, plasticien, comédien, metteur en scène et directeur de l'École internationale de théâtre du Bénin, EITB. De Dosavi Obini. J'ai été très frappé par le spectacle d'ouverture mis en scène par Aladji et j'avais trouvé une très belle fresque de cette histoire du Bénin que l'on découvrait. Et ce qui était remarquable aussi, c'est l'adhésion du public. Les gens, à des moments, on sentait que l'histoire les touchait, ça leur parlait, ils étaient très proches de cette histoire-là. Et nous autres qui n'avaient pas. Qui n'était pas aussi proche, donc du coup ça nous rapprochait de cette histoire-là. Et donc j'ai trouvé ce spectacle vraiment magnifique. Cet événement, je suis en train de me demander depuis comment le metteur en scène a pu réaliser cela. Et en tout cas, je lui tire mon chapeau et je me mettrai à son école pour savoir comment il a pu faire répéter 300 acteurs, je ne sais pas dans quel espace, mais enfin il doit avoir son secret. Le FITEP 2016 a accueilli 8 créations théâtrales étrangères. Je suis ici sur la terrasse, vous êtes là dans la maison. Vous allez m'ouvrir pour faire connaissance. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Ah ouais? Et pourquoi ça? J'ai une corde. Vous êtes attachée? Je suis attachée. Vous êtes prisonnière? Non! Je veux sortir, me promener. Vous devez être sacrément belle pour que monsieur vous garde pour son plaisir tout seul. À vous alors. Vous savez parler aux vaches. Vous êtes une vache. Je suis Blanchette, à la belle voix, la plus jolie des vaches. Roméo, pourquoi es-tu? Roméo, renie ton père et refuse ton nom. Ou si tu ne veux pas, jure d'être mon amour et je ne serai plus jamais une Capulet. Outo maman Damana, dois-je écouter encore ou dois-je lui parler? C'est seulement ton nom qui est mon ennemi. Tu es toi-même quand tu ne serais plus un Montaigu. Qu'est-ce qu'un Montaigu? Ce n'est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage, ni aucune autre partie du corps d'un homme. Oh, soit quelque autre nom. Qu'y a-t-il dans un nom? Ce qu'on appelle une rose, sous un tout autre nom, s'en tirait aussi bon. De même Roméo, s'il ne s'appelait pas Roméo, garderait cette chère perfection qui est la sienne sans ce titre. Mais donnez-moi mon argent et je partirai. Je vous ai dit en langue française que je n'en avais pas de disponible pour l'instant. Attendez juste après demain. J'ai eu l'honneur de vous dire aussi en langue française que j'avais besoin d'argent aujourd'hui même et non après-demain. Comme c'est étrange. Vous ne me paierez pas aujourd'hui? Non, je ne peux pas. Alors je resterai ici, jusqu'à ce que je touche. Vous ne paierez qu'après demain? Fort bien. Jusqu'après demain, je resterai là, comme ça. C'était un beau spectacle, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien ri, je me suis amusé. Les acteurs, c'est normal, ce sont nos grands frères. Et ils ont quand même montré qu'ils sont vraiment les grands frères. Et pour ça, moi, je leur dis merci. Je remercie le FITEP pour avoir apporté un spectacle aussi magnifique au Bénin. Et il faut suivre ça pour apprendre. Bien, le mal est mal, tout se paie et à juste prix. La justice naturelle est permanente. Nous récoltons aussi bas ce que nous avons semé. Ainsi parlait un jour un aveugle à un riche à qui il avait demandé l'aumône.
Quelle ineptie de riche qui t'a inculqué dans l'esprit des idées aussi fausses, hein? Peux-tu me dire de quelle forfaiture t'as cessé en le prix? Les méchants ne sont heureux qu'en apparence, reprit l'aveugle. Leurs consciences sont comme des rivailles en perpétuel mouvement. Leur sommeil de véritables cauchemars. Tout acte méchant est comme une graine semée sur un rocher. Toute guerre contre l'innocence est une guerre contre Dieu. Ainsi élucubrèrent les deux hommes quand le riche vit sortir du buisson un serpent. Comme il savait dompter le reptile, il arrêta et l'enroula. Oh, cessons cette discussion inutile, dit-il à l'aveugle. Ouvre plutôt ton sac pour que j'y mette ce cadeau. Peut-être que cela t'aidera. L'aveugle rouvrit et le ferma son sac en le supposant se convaincre que le riche lui avait donné de quoi se nourrir pendant plusieurs jours. Il s'éloigna en inondant de bénédictions et de remerciements celui qui, pensa-t-il, malgré ses idées diaboliques, avait le cœur sur un temps de bonté et de générosité. Un peu plus loin, le fils du riche le vit, et pensant que le sac qu'il portait contenait quelques trésors, il vint, l'arracha et disparut dans la forêt. Je brûle, je fâche, je quitte, je mirlo, je danse, je saigne, je m'aime, je fourme. Les pleurs, les supplications et les malédictions de l'aveugle de l'émurguer. Quand loin des turbulences, il enfonça sa main dans le sac pour en tâter le contenu. Non mais le métier que nous pratiquons là, c'est un métier qui est difficile. Hein? Le métier de comédien fait rire les gens. Ah non, non, c'est pas un métier facile. Hein? Ah non, non, non. C'est surtout les admirateurs. Là. Ah Daiko, ça va? Mais j'aime ce que tu fais, c'est bien, tu dis merci. Ah monsieur Daiko, continue comme ça, c'est bon, merci. Mais il y a une dame qui m'a vu en plein centre-ville. Hé, hey, monsieur Daiko, vraiment j'aime ce que vous faites là, ça me plaît. Il dit merci madame, merci, merci. Faut t'arrêter là, et continue. Oh vraiment tu fais rire, hein? Vraiment tu es bien. Hein? Il dit merci, vraiment tu es ridicule. Hein? Il dit, madame, tu es obligée de me féliciter. Mais l'année où je suis arrivé ici au Bénin, c'était en 99. J'ai rencontré une fille belle, jolie. Il dit, ouais, la femme béninoise. Il dit, mademoiselle, s'il vous plaît. Ça va? Il dit, ah, votre quartier, c'est un quartier qui est calme. Hein? Elle dit, ici, nous, on aime la calamité. Moi? Je m'appelle Curiosité et moi je veux devenir ton ami ou bien ton amour. Mais ça, c'est le temps, c'est seulement le temps qui pourra me le dire. Parce que moi je t'observe depuis longtemps, hein. Pas depuis quelques jours, pas depuis quelques semaines, même pas depuis quelques mois, depuis quelques années. Et moi je te vois toujours là, presque toujours dans la même position, presque toujours dans le même coin de la cour de récréation, la tête presque toujours penchée comme ça. Et puis justement, toutes les questions auxquelles je vois, auxquelles je sens que tu tentes de trouver des réponses à tout, et moi je me dis, ça, c'est le signe d'un jeune apprentissage qui rêve de devenir un grand, peut-être même un très grand apprentissage. Et moi, mes grands sœurs m'ont toujours fait comprendre que, voilà, curiosité, ça, c'est le genre de garçon que tu dois alors fréquenter. Même si y a une de mes grandes sœurs qui s'appelle Fidélité, qui m'a toujours fait comprendre que, curiosité, ma petite sœur, attention, 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 attention. Même si un garçon te semble contemplativement sérieux n'importe comment, la première chose que tu dois d'abord lui faire comprendre, c'est que c'est pour la fille ou rien du tout. Ou alors il n'a qu'à aller voir ailleurs. Et là, il verrait bien que les autres filles ne se comportent pas comme des filles de notre famille. Il ne faut pas prendre ma grande sœur là. C'est une très belle performance dans la mesure où c'est un one-man show, mais un one-man show qui joue plusieurs voix. Et il y a les inflexions, il y a le jeu de scène, et il y a tout le message qui passe. Il y a un texte et puis il y a un contexte et un sous-texte qui surnage. C'est un très beau spectacle. Et 10 béninoises, dont 4 commandées par le Fitel. C'est autour du chef quartier que tout y soit grave. C'est lui qui recueille les doléances de ses administrés. Les analyses, les éventes, les dissèques, les passes à la loupe. Les passes à la loupe, les éventes et les analyses à nouveau. Et lorsqu'enfin il aboutit à une conclusion valable, il prend toutes les décisions qui s'imposent. Il est à l'origine de tous les gros, gros, gros dossiers de son ère. Des histoires de disparition, de lévision, d'évasion, de réconciliation, d'assassination. On dit d'assassinat.
créer même des histoires d'énervement, d'envoûtement, d'empoisonnement, d'enlèvement et de naturel. Vous pensez qu'il y a combien de chiffres dans le bon de caisse que reçoit le directeur de l'école de Pousse à la fin de chaque mois? Pas plus de cela. Vous savez ce que ça fait de voir des imbéciles se pavaner avec l'argent du contribuable juste parce qu'ils savent chanter à l'oreille des pourvoyeurs de poste? Et vous pensez que votre vertu peut résister à un système où le copinage, le tribalisme et le clientélisme opinent sur la compétence et l'efficacité? Vous croyez que vous pouvez vraiment faire le poids face à ces gens-là? Réveillez-vous un peu là! Vous pouvez néanmoins sortir libre d'ici si vous acceptez de signer les documents que vous a présentés votre femme. On y a apporté quelques petits réaménagements. On vous laisse quelques propriétés, deux ou trois véhicules. Aux yeux de l'opinion, ça restera un simple malentendu. Je vous suggère de mettre de côté votre ego et de négocier. Je pense que pour le peu que j'ai vu en comparaison des autres éditions, je pense qu'il y a de très bons spectacles, des spectacles de très bon niveau. Et donc, je voudrais féliciter le directeur du FITEB, M. Eric Hector Moupé, et toute son équipe. FITEB, jusqu'à présent, ce que j'aime dedans, c'est de voir aussi qu'ils font de la programmation avec la jeunesse. Ça, c'est vraiment encouragé. Donc, ils ont de très bonnes programmations, de spectacles de taille avec les jeunes. Et ça, c'est bien parce que généralement, on dit oui, il faut de l'expérience. Mais si on ne tend pas la main aux jeunes, comment ils vont avoir l'expérience? Le sexe, tel que je le conçois, est pour vous le pire ennemi de l'homme, n'est-ce pas? Évidemment. Les saintes écritures recommandent d'aimer ses ennemis et de prier pour eux. Et après? Les hommes qui veulent respecter les saintes écritures doivent donc aimer les saintes écritures. Puisque c'est le pire et le plus grand ennemi de l'homme. Moi, je me mets à leur service comme un ange descendu du ciel, avec confort et sérénité. Pourvu qu'il libère le grenier. Non mais, c'est du blaster. Mais c'est du réalisme. En vérité, vous avez tous fait. Écoutez, j'avoue que ceci est trop fort pour une prostituée. Hein? Ouais, c'est trop fort pour une prostituée. Je ne suis pas une prostituée. Et tu es quoi alors? Je suis bien écoutée. Désir, plaisir, confort. Écoutez, mademoiselle, que vous soyez Mercedes, Ray, Renault ou Cadillac, vous allez payer pour vos contraventions. Voilà. Moi qui étais craint comme un dieu, respecté au passage, applaudi. Tout ça, c'est fini. Je suis réduit au néant. Vous entendez? J'ai tout perdu. Vous entendez? Vous entendez? Vous entendez? J'ai tout perdu. Ah, l'homme n'est rien, hein? L'homme n'est vraiment rien. J'ai tout perdu, vous attendez? J'ai tout perdu. Dans ma famille, on n'admet pas les bâtards. Alors, par conséquent, j'ai été bannie de ma famille. Vous voyez, j'ai tout perdu. L'imbécile, le responsable, il a décliné toute responsabilité. Je lui avais tout donné. Je lui avais fait confiance. Plusieurs activités intellectuelles ont également ponctué le déroulement du FITEB 2016. Il s'agit principalement d'une table ronde sous le thème « 25 ans de renouveau démocratique, 25 ans de FITEB, théâtre, démocratie et développement au Bénin et en Afrique ». Au Bénin, théâtre politique se mêle presque toujours. Le FITEB étant né en 1990 avec sa première édition en 1991, presque au même moment,
que le retour à la démocratie au Bénin et donc les premières élections du renouveau démocratique ont eu lieu en mars 91. Tout comme le renouveau démocratique, le FITERD a eu donc le même parcours. C'est pourquoi il m'a paru important, pour célébrer nos 25 ans de retour à la démocratie au Bénin, que nous autres, hommes de théâtre, femmes de théâtre du Bénin et pourquoi pas de l'Afrique et du monde, nous réfléchissions à ce que les hommes et les femmes de théâtre que nous sommes ont réussi à apporter à la démocratie ou au retour à la démocratie tant au Bénin que sur notre continent. Démocratie, ça ne rime pas avec culture. Du moins, les 25 ans qu'on a passé, pour moi, ça ne gagne pas des années révolution au Bénin. Parce que les années révolution au Bénin, c'était les années de la célébration culturelle la plus forte. Et aujourd'hui, ça manque réellement. Tout simplement parce que en ce temps-là, le théâtre, la culture en général, était dans les établissements scolaires. Depuis le cours primaire jusqu'au collège, jusqu'à l'université, les jeunes étaient en corps à corps avec la culture. Le renouveau démocratique n'a pas été un renouveau culturel. Pendant la période révolutionnaire, c'est que la culture était vue comme l'instrument qui doit faire diffuser la politique, l'idéologie de la politique. Si bien même, les politiciens ne sont pas allés vers les acteurs, les artistes, pour dire « faites ça ». Mais la souffrance du peuple était telle que tu ne peux pas faire le théâtre. C'est-à-dire que, bon, c'est ce qu'on appelle l'art engagé, quoi. Actuellement, c'est vrai, il faut dire une vérité, l'argent a pris le dessus et les acteurs même... Quand il veut donner, quand il veut aller à une réunion de théâtre, il dit, bien mon collègue, mais viens. Et c'est un peu dessus dedans. Ah, c'est pas l'argent, moi, il ne veut pas. L'amour du théâtre, l'amour de l'art n'est plus dans les cœurs. Je crois que c'est l'argent qui est venu tout foutre à l'air. On investit aujourd'hui énormément dans la culture, mais il n'y a pas le remous. Si on voit le nombre de gens qui font le théâtre, ou la musique, tout ce qu'on dit là, je crois que la passion manque. Un loup, bébé, c'était petit modèle. C'est 250 ou bien 150 francs l'heure. Un loup la veille. On garde ça chez moi. Le lendemain matin, à 5 heures du matin, je le mets derrière. On quitte Porte Novo pour aller négocier des salles de spectacle. Ouida, Kome, Lokosa. On revient le même jour à Porte Novo. Il est là. C'est ça la passion. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est ceux qui sont venus avec l'avènement du renouveau démocratique. Je vais donc passer la parole à Ignace Yetienou pour nous dire comment l'EACE, auquel il a contribué, a eu et a contribué à l'avènement du renouveau démocratique. Si je me mets à parler de l'EACE, je pense à ces années révolution où la parole était, je vais dire, pas libre. Et les spectacles que nous donnions dans le temps, c'était pratiquement des meetings politiques. Je me rappelle un spectacle qu'on avait donné dans cette salle, signé seulement. À la fin, c'est le véhicule de la police qui nous attendait dehors. Et je crois quand on a fini le spectacle, quand on a salué le public, nous sommes descendus dans la masse, on s'est confondu à la masse et on est rentré. Sur le débat étudiant à l'époque, se trouvait entre deux extrémités. Une extrémité politico-politicienne qui était représentée par tout ce qu'il y avait autour du Parti communiste dahoméen à l'époque, et ceux qui se disent on peut faire de l'action politique sans se présenter comme tel, et que tout ce qui est création peut servir à l'éducation et puisse servir à l'éveil des consciences. Déjà lors de la création, l'option avait été faite par le groupe de ne pas faire des interprétations d'œuvres, mais plutôt de donner en spectacle ses propres créations et s'est imposé de ne faire que de la satire sociopolitique.
ayant fait option de faire de la satire politique, il y a eu des créations dont Ignace a évoqué une, signée seulement, qui était conçue pour dénoncer la mauvaise gestion des sociétés, des sociétés d'État et la malgouvernance qui régnait de façon générale dans le pays. Une œuvre créée à l'époque, on la jouait dans au moins 30 localités différentes de notre pays. J'entendais pendant un an, c'est-à-dire 9 mois, une année scolaire. Donc ce n'était pas des œuvres épisodiques qu'on jouait à Cotonou seulement. Et avant de terminer, on avait tout un programme pour parcourir tout le territoire national. On se sentait utile à notre peuple. On sentait de notre toute petite place qu'on était une pierre dans l'édifice national. Et on créait ces spectacles. Il y en a eu un qui marchait avec les réalités de notre peuple. Il y a eu gâteau d'anniversaire, il y a eu le clair sombre, il y a eu le procès dans lequel on a ressuscité Béanzin. Il y avait Hubert Koutou-Gueguenga, il y avait Kérékou et il y avait Soglo sur la même scène. Et ça donnait les réalités de leurs différentes périodes qui étaient confrontées et on tirait les conclusions. Ces spectacles étaient d'une limpidité et d'une densité terrible que ça mobilisait une grande foule. On a programmé le spectacle du procès ici dans cette salle au Cinévogue. On avait plus de la moitié de cette salle qui était encore dehors parce qu'elle ne trouvait pas de place. J'avoue aujourd'hui que ça soit au niveau de l'EACE ou au niveau du monde culturel de façon générale, tous ceux dont on a parlé ayant trait à l'engagement, ayant trait à l'audace, ayant trait à la solidarité et à l'entraide, ça ne se vit plus aujourd'hui. Outre la table ronde, il y a eu aussi le FITEB JMT, une activité retenue par le FITEB pour célébrer l'édition 2016 de la Journée mondiale du théâtre le 27 mars. Avec la collaboration de la Fédération nationale de théâtre du Bénin, le Centre béninois de l'Institut international de théâtre et les associations Paraculture et Initiative Badalissa du Bénin, cette célébration a connu une causerie débat sur le thème « Le théâtre béninois de 1990 à nos jours », animé par le professeur Romuald Honzandji, docteur et enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi. Sur la période de 1990 à 2015-2016, il y a eu des créations de metteurs en scène béninois, mais qui reposent sur des textes d'auteurs africains ou européens. La deuxième tendance que j'ai essayé de définir à l'intérieur donc, de ces créations, ce sont les textes d'auteurs béninois eux-mêmes. On peut penser par exemple à Ousmane Alidji, Mas Baguidi qui est avec nous ici. J'ai aussi sérié les créations de contes théâtralisés. On peut penser à Claude Balogun dans Ouedo, l'arc-en-ciel. L'autre chose à laquelle on peut s'intéresser, c'est quel est le cadre dans lequel ces créations-là ont été diffusées. Il y a les cadres formels auxquels on pense, les festivals par exemple. Le second et dernier sous-point de ce troisième axe-là, c'est par rapport aux infrastructures, les infrastructures d'abord humaines. Au début des années 90, les metteurs en scène, on les comptait à peu près sous le bout des doigts. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de metteurs en scène. Il y a beaucoup d'acteurs aussi, les uns aussi talentueux que les autres. Autant que le nombre s'accroît, on sent que le besoin de formation et d'encadrement formel s'accroît aussi. Il y a des initiatives qui sont prises. Nous avons le ITB de Aloubine Dine. À l'université, il y a le département ou l'Institut des arts qui prend corps petit à petit. Mais à mon humble avis, cela ne suffit pas. Je pense aussi qu'il y a un travail important à faire sur tous les acteurs de l'ombre de l'événement théâtral, c'est-à-dire une formation par rapport aux techniciens, à ceux qu'on peut appeler les techniciens du théâtre. Pour ce qui concerne l'infrastructure matérielle, je sais bien, le professeur Mandé est là pour le confirmer, on peut faire du théâtre partout, même sous les arbres. Mais quand le spectacle est d'une certaine qualité technique, on a aussi forcément besoin d'un espace d'accueil qui puisse permettre de réaliser tous les effets souhaités pour porter le public au niveau de satisfaction, au niveau de jouissance souhaitée. De 1990 à 2015, la vie théâtrale béninoise, on peut la considérer comme une vie théâtrale assez animée, mais il reste des défis à relever.
c'est au niveau de la relève. J'ai parlé de la relève des acteurs, mais il y a aussi la relève au niveau de la culture du spectacle théâtral. C'est-à-dire qu'il faut cultiver dans l'esprit du spectateur potentiel le goût du spectacle. Cette relève, il faut forcément la préparer. Ça rentre dans une politique d'ensemble qui touche le secteur de l'éducation. La célébration de la journée de théâtre a connu aussi la distinction de 5 acteurs majeurs du théâtre béninois qui ont reçu des trophées de reconnaissance du FITEP 2016. Il s'agit de James Rémy Salano alias Major Aïchoro, Eliane Chagas alias Belle-Mère, Gérard Hounou alias Taouyome Nocheyome, Marcel Bonaventure Rufiko alias Bio et Fidèle Guignon alias Nansou. Pour le directeur du FITEB, ce sera désormais une tradition pour le FITEB de distinguer des personnalités du monde théâtral pour de bons et loyaux services rendus au théâtre chez nous. Vas-y ! Je ne m'attendais pas non plus à recevoir un prix. Néanmoins, j'en suis flattée. Je vous remercie. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est l'essence que vous mettez dans le monde pour que ça continue d'avancer. Mais tenez-vous. Il y a eu FITEB avant cette édition. Je remercie toute l'équipe, je remercie le FITEB. Les mots me manquent, je ne m'attendais pas à ça. Mais on dit, quand la qualité y est, les tracasseries s'oublient. Le vécu est terrible. On sait ce que c'est que le théâtre et on le saura plus que ça. Je demande à ceux qui viennent de ne pas se décourager. D'être plus performante et plus endurante. Super, tous ceux-là qui ont été décorés, c'est des gens qui ces dernières années, ces 20 dernières années, ou même je dirais 25 dernières années, ont marqué le théâtre de chez nous. Et je crois que c'est très bien qu'on les célèbre. Le FITEB 2016, c'est aussi la rencontre des directeurs et responsables de festivals étrangers présents à Cotonou. Initiée par Eric Hector Rumpé, le directeur du FITEB, cette rencontre a eu comme objectif la création d'un marché actif du théâtre africain pour faciliter la circulation des créations artistiques. Il s'agira d'assurer un partenariat artistique sud-sud pour asseoir le dialogue culturel africain. Il y a certains pays qui n'ont pas de pétrole et la culture est leur pétrole. Moi, je voyage beaucoup, j'ai vu dans certains pays, on demande au Burkina Faso, il est situé où? Et dès qu'on dit le FESPACO, on dit le Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou, on connaît. C'est quelque chose. Il y a le FITEB qui est là, il y a le Massa qui est là, où c'est des, on se retrouve. On met des millions, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça évolue? Il faut qu'on reparte à la base, former nos enfants. Parce que nous, pour nous, c'est fini. Il faut repartir, éduquer nos enfants sur notre culture. Rien que avec le FA, parce que je suis de cette culture aussi, du Sud Bénin, sur Nigeria, sur Togo, mais les contes qui accompagnent les signes du FA, par exemple, résument un enseignement, ce sont des condensés d'enseignements. Au même titre que les légendes grecques, par exemple. Je crois que le vrai problème que nous avons, c'est la formation des managers culturels, la formation de tous ceux qui interviennent dans le processus de la création. D'accord, c'est une très bonne chose et c'est vraiment la base. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de cette cible-là à former et introduire même dans les cycles de formation à toute autre chose la culture. Parce que si vous avez un banquier devant vous qui n'est pas formé ou initié à la chose culturelle, ce banquier ne saurait accepter, participer au financement. L'homme d'affaires qui a emmagasiné suffisamment de bénéfices et qui ne cherche qu'à financer d'autres activités, d'autres secteurs, ne saurait mettre son argent dans une création artistique, dans une pièce de théâtre. Si c'est une pièce de théâtre, ok, d'accord, je veux bien vous aider. Voilà ce qu'ils nous répondent. Donc je crois qu'il faut vraiment insister sur la formation et aller au-delà des acteurs culturels, aller plus loin. Donc il faut qu'on pense le système d'éducation de manière globale.
Donc évidemment, en intégrant les dimensions culturelles, artistiques, dont mes petits auteurs, mes prédécesseurs ont parlé. Ça, c'est important. C'est ça qui va permettre la consommation du produit artistique et culturel par après. Une fois qu'on est préparé, on a le réflexe d'aller dans un musée, on a le réflexe d'aller dans une salle de spectacle. Pour moi, on a tout en place aujourd'hui. On a les artistes, on a dans certains pays des infrastructures, on a des œuvres. Mais comment tout cela est géré, il n'y en a pas. Créer un bel espace, il faut quelqu'un pour bien gérer et quelqu'un qui sait ce que ça veut dire et qui a un réseau et qui rentre dans le réseau. Réseau ne veut pas dire forcément mauvais, mais ça veut dire qu'on sait où aller et trouver. Avant de meubler la biennale de ces spectacles et activités qui ont enthousiasmé les acteurs et amoureux du théâtre, il y a eu le pré-FITEB. Dans l'objectif d'annoncer l'événement et attirer l'attention et l'adhésion du public, plusieurs activités ont garni la programmation du pré-FITEB. Il s'agit surtout des représentations de lectures scéniques dans les collèges et de spectacles d'attraction au niveau de toutes les villes accueillant le festival. Tu m'étonnes. C'est toi qui m'étonnes, ma chère. C'est terrible. Parle plus sur ce que tu as fait. Maintenant, tu vas arrêter et me dire exactement ce que j'ai fait. Non. C'est moi qui ai posé une question qui est restée sans réponse jusqu'à présent. Ne le prenez pas sur ce ton. Je tiens à découvrir la vérité et a priori, je ne doute pas de vous. Il faut changer de méthode. Pour être diplômé, vous me décevez. C'est la toute première fois que je fais une lettre scénique devant tous ces grands du théâtre. Ça me donne beaucoup de rêves. Peut-être demain faire du théâtre et dans 5 ans ou 10 ans, jouer sur des scènes de FITEB. Je trouve que c'est un instant de bonheur pour moi. Pour moi et mes camarades, parce que nous ne faisons plus de lecture de nos jours. Avec cette initiative du PDG Eric Hector Houpé, ça va nous avantager à mieux connaître et à mieux nous exprimer. S'exprimer seul et s'exprimer devant tout un public. Parce que ce n'est pas du tout facile de parler devant un bon nombre de personnes. Une autre démarche pour associer le public scolaire à ce que nous faisons et préparer la relève du public. Parce que c'est eux qui vont grandir et demain viendront au spectacle. Si déjà on leur donne le goût et on installe des clubs FITEB dans ces écoles, c'est que le festival va prospérer et le pays culturellement va prospérer. Le FITEB 2016, malgré l'éclat qu'il a connu, ne s'était pas organisé sans difficulté. Plusieurs obstacles ont failli entraver son succès. Les petits problèmes, il y en a toujours. L'essentiel, c'est de pouvoir ne pas les nier, prendre conscience de ces problèmes et commencer par essayer des solutions. Si on n'essaye pas, on ne finit pas par trouver. En somme, il convient de constater avec satisfaction que la plupart des activités prévues pour le FITEB 2016 ont été exécutées malgré les difficultés rencontrées. Ce bilan est à l'actif de tout le comité national d'organisation, des sous-comités, des festivaliers. Je voudrais donc, avant tout propos, vous remercier pour nous avoir invités à être les témoins vivants de ce rendez-vous culturel. Au nom de tous les participants, félicitations au directeur et à tout son staff pour le travail abattu. Le FITEB 2016 est un succès éclatant. Merci au Bénin et au Béninois. Vive le FITEB pour que vive la culture. Au niveau de la programmation, il faut dire qu'il y a pas mal de structures d'artistes que je connais, et ici qu'on s'est rencontrés à différentes occasions. Je trouve une très belle programmation. Et c'était un rêve pour moi de participer au FITEB. C'est vrai que je viens ici, je fais pas mal de spectacles, mais participer à un festival comme celui-là, sincèrement, ça sera marqué dans mon CV. Dans cette période que vous connaissez vous-même, qui est une période plus ou moins de transition, d'élection, que l'État ait réussi à organiser une grande manifestation culturelle, chapeau. Si ta grand-mère
est belle, c'est une chance pour toi. Si ton épouse est belle, c'est une chance pour toi. Mais si ta belle-mère est plus belle que ta femme, tu as raté le casting. Si tu vois un comptable qui dure au bureau, ce n'est pas parce qu'il est compétent, c'est parce qu'il a fait un manquant. L'oiseau vole, l'homme vole. Mais quand l'oiseau vole, il fait son nid. Mais quand l'homme vole, il nie les faits. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Moi, j'ai fait beaucoup d'éditions du FITEB. Celle-ci est vraiment dans la marge du progrès. Il y en a eu des moins bonnes, il y en a eu des très bonnes. Celle-ci est dans une très bonne dynamique parce qu'on a été très bien accueillis depuis l'aéroport. La logistique, voilà, la logistique fonctionne très bien. Oh, nous sommes excellemment bien logés, réellement. Nous avons également un suivi dans la locomotion puisqu'il y a même un car qui vient nous chercher aux heures qu'il le faut. Et il y a une très grande convivialité car plusieurs personnes sont logées au même lieu, c'est-à-dire à l'hôtel. Et nous avons toute la terrasse pour nous. Donc tous les artistes, souvent, nous y prenons notre petit déjeuner ensemble le matin. Et puis ce sont des moments comme ça, de convivialité, de rencontre. Et c'est très joyeux. C'est aussi joyeux, aussi fort que l'est effectivement un moment de festival. Il y a des délégués dans chaque ville, la régie est préparée. Voilà, il y a eu des éditions où ce n'était pas le cas, on était abandonnés, il n'y avait personne, etc. Donc vraiment, on peut faire mieux, mais bravo pour cette persévérance, cette manière de perdurer dans le temps, c'est important. Et bravo pour les efforts qui sont faits pour améliorer de mieux en mieux. Les comédiens avec qui je viens sont tous français, ils font de grands festivals. Et jusqu'à présent, ils ont plutôt une très bonne impression. Donc bravo et continuez comme ça. Je pense que les autorités gagneraient à considérer cet événement comme un événement majeur de développement, non seulement culturel, mais économique, parce que ça fédère beaucoup d'énergie, que ce nouveau départ axe vraiment les ressources et l'organisation sur ce festival qui va rendre le Bénin plus connu, plus aimé, au-delà du symbole de la démocratie que nous représentons. C'est un joyau. Depuis 25 ans, on a pu faire chemin avec. C'est pratiquement la seule marque qui distingue le Bénin en matière culture au niveau international. C'est la seule chose que nous avons pu organiser jusque-là sans grand problème. Il serait souhaitable qu'on lui donne encore une connotation nouvelle, qu'on lui donne encore une couche de peinture pour qu'une fois encore, ça puisse être la grande marque du Bénin pour la culture en général. Mais aussi et surtout, des administrateurs qui ont cru et qui l'ont accompagné de bout en bout, avec en chef le ministre en charge de la culture et tout le gouvernement du Bénin qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement phare que la République, chaque 2 ans, se donne la joie d'offrir au monde. J'ai dit au directeur, c'est un défi. Un défi à relever. Il faut pouvoir organiser ce festival en 2 mois. Et donc, je suis très heureux que cela se passe très bien. Nous avons eu les échos de partout. On ne peut que se réjouir. C'est pourquoi je voudrais remercier tous les acteurs, à commencer par le directeur et son équipe, tous ceux qui ont accepté s'impliquer dans cette organisation et dire que tout n'est pas par terre au Bénin. La culture béninoise tient tout. Oui, elle tient grâce à des hommes. D'abord vous, les acteurs culturels. Et puis, ces dirigeants que nous avons connus jusque-là. En commençant par le docteur Yaïmoni, qui a beaucoup fait pour la culture. Je suis content. Et tout en étant apte à nouveau à continuer. Continuer, c'est la suite.
car c'est le dimanche que nous venons finir. Nous allons ouvrir dans les mois à venir le recul, le futur migratoire qui ira chaque fin de mois, dernier week-end du mois, dans une autre ville pour tenter un foyer et faire partager l'épiphanie théâtrale avec nos compatriotes. Mon ambition, si modeste, est simplement de faire en sorte que par ces manières, le théâtre soit restitué au public et que désormais, il vienne dans les salles. Président Jopé Lucien, Adango Francis, nous pensons à la Président, à cause des péchés,